Il a un physique de rugbyman, mais il fait mieux que de l'humour de vestiaire. Arnaud Ducret veut tout faire, ciné, télé, scène, mais c'est le one-man show qu'il préfère. Je l'ai lu dans Elle Magazine. 80% des filles s'immolent au lit. Oh, dommage. Hein? Simule. Ça change un peu de tout ce qu'on voit, des humoristes que l'on voit beaucoup à la télé. C'est pas du tout les mêmes sketchs, c'est... Et puis beaucoup de mimes. Waouh, un briquet vert. Ça se marie vachement bien avec le jaune de la flamme, t'as du goût. Moi je dirais que c'est un très bon sens de la parodie qui va tout à fait avec son époque. Les homosexuels, la télé-réalité, les people, etc. J'ai toujours observé beaucoup les gens, quoi. Donc, dans les mimiques, les traits, tout ça. Donc, je m'en sers beaucoup pour mon spectacle. Et c'est sûr qu'il y a des personnages qui sont venus de là, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai mon prof de karaté, qui est un prof que j'ai eu quand j'étais plus jeune, que j'ai gardé, dont j'ai pas mal grossi les traits. On va attaquer, fais gaffe, si elle part, vigilance, bonhomme, fais gaffe! J'ai un prof de danse dans un centre de gériatrie, très jeune, à l'âge de 13 ans, je chantais dans les maisons de retraite pour les spectacles de Noël, tout ça. Bon, bah, je pense qu'il devait être dans le coin de ma tête. Qu'est-ce que je vous ai dit, Maurice? Non, ça fait 3 fois que je le répète. Qu'est-ce que je vous ai dit? 1, 2, 3, déambulateur, je jette le déambulateur, je tourne. Non, mais levez la tête parce qu'il va redescendre, le déambulateur. La pêche, il est drôle, il danse bien, il chante bien, il faut aller le voir. Bravo! Bravo Arnaud, il est formidable.